выше и ваше. Кто выше и ваше. А
si l'on ramène les 4,5 milliards d'années de notre planète à une seule journée, supposons que celle-ci démarre à 0 heure. À 5 heures du matin, la vie naît sur Terre. À 20 heures seulement apparaissent les premiers mollusques. À 23 heures, les dinosaures, qui disparaissent à 23 h40, laissant libre cours au développement rapide des mammifères. Comme le dit très bien Hubert Reeves, nos ancêtres, eux, n'apparaissent que dans les 5 dernières minutes avant 24 heures et voient leur cerveau doublé de volume la toute dernière minute. La révolution industrielle, elle, n'existe que depuis 1/100 de seconde. Et cependant, nous sommes entourés de gens, peut-être vous-même, qui s'imaginent que ce qu'ils viennent de faire pendant cette fraction de seconde pourrait durer indéfiniment. Thank you.
naissent traumatiques chez la grenouille et le fruit d'une intuition surgit au cours d'une hybridation entre anour et urodèle, des œufs de crapaud que l'on avait préalablement imprégnés de sperme de triton alpestre. Ce fait activé montrait les grosses spermies étrangères fichées dans la couche corticale de l'œuf. Or, c'était aussi la période du frais des grenouilles rousses. Sur le champ, professeur Bataillon prélève des œufs vierges et mûrs et constate que la majorité des opérés poursuit sa segmentation et se divise en deux blastomères.
a question. Whether it is the blood in the mind to suffer the sting of hell, or to trade his fortune, or to get harm against a sea of trouble, and by opposing, hand him to die, to sleep, no more, and by your sleep, to say, we hand the... C'est quoi après? The Artec. The Artec of thousands. C'est quoi ensuite? Natural Chunk. Natural Chunk, ça se fait à Chinette. Non mais quand tu me souffles bien, bordel mais... Et tu me fous la main dans la gueule en plus. Mais non mais pas du tout, je fais-toi sa gueule, tu te casses toi. Moi j'en ai marre, tiens moi. Non, je me casse. Le thé anglais, un nuage de lait, quelques sucres, sugar, tout le monde sait dire sugar. Ou alors, le thé à la marseillaise, le thé à la menthe avec quelques pignons, le thé amer de certains pays, le thé que l'on prend à bord d'une Flaminia, peut-être, pour se donner du courage. C'est l'heure du thé. Partout dans le monde, à un certain moment, c'est l'heure du thé. Le thé convivial,
team for two, a team for two. You and me, and me, and you. A girl for you, a boy for me. Hello. Les garçons, la vodka, c'est pas prévu. Team for two, and two for two. You and me, and me, and you. A boy for me, a girl for you. Hello. Il y a beaucoup de choses qui sont réglées autour d'une tasse de thé. Des fois on fait la paix. Alors là c'est le thé sucré. Des fois on cogite la guerre, c'est le thé amer. Team for two, and two for two. You and me, and me, and you. A girl for you, a boy for me. Hello. Il y a une drôle d'odeur, un drôle de goût, une drôle de couleur, une drôle de saveur. Mettons nos pendules à l'heure. Nous sommes à Brest, ou peut-être à l'autre bout du monde. Il est l'heure que vous voulez. L'heure du thé. Je vais être saoule, c'est de la vodka, ils me font croire que c'est du thé. Hello. À la vôtre. C'est le thé de la paix. Le thé de 23h45. Monsieur Claude. Sur les remparts. Faites-moi ça. Au sol, au bout de la place. C'est le thé. Universel. On est bon, on peut y aller. Extérieure nuit, il fait à peu près 22 degrés. Il est exactement, mettons nos pendules à l'heure. Far away. Those events plunged into ice for a moment, for almost
paradise. I'll lay her on her stomach and I'll park my bike in her ass. Le jour de la mort de je la couche sur le ventre et je garde mon vélo dans son cul. Toi,
seul. Besoin d'une place, d'une petite place. D'un abri, d'un refuge. Chacun a besoin d'une place, comme toi, comme moi. Une place pour lui, une place pour chacun. Regarde ces places. On dirait les sémaphores à l'intérieur des terres. Regarde la place Syntagma à Athènes, en Grèce. Elle se convulse de rage devant les hauts murs de théâtre du Parlement, d'où de faux dieux déguisés en politiciens hésitent à sortir. Elle décolle de place, pleines à ras-bord de leurs passagers, se libère des bâtiments, du pouvoir qui les cerne, du brouillage des voitures. Elle hurle des mots, toujours les mêmes, les plus simples, les plus têtus. Liberté, justice, dégage-toi le tyran. Elle décolle les places, voyage dans l'espace, dans le temps, se passe le relais même. L'immense place Tahrir a avalé le Caire. Et l'autre petite place Tahrir, à Sanaa au Yémen, suffoque dans la fumée blanche des tirs et des explosions. À Buenos Aires, en Argentine, sur la Plaza del Mayo tournent les folles de mai. Elles portent le deuil de leurs enfants massacrés, disparus, exigeant enfin la vérité. Et si tu regardes les grands totems, ils sont dressés pour qu'on les repère de très haut. Et si tu regardes les colonnes porteuses des génies et des emblèmes de la Révolution à Paris, il y a 200 ans, Bastille, Nation, République. Et la place Maïdan à Kiev, en Ukraine, c'est devenu durant un mois entier une gigantesque orange pacifique et joyeuse. Et l'ancien pouvoir s'en est allé sur la pointe des pieds. Mais à Manama, au Bahreïn, le pouvoir a décapité le totem de la perle qui faisait des signes à la colère du peuple et à la révolte du monde. Et regarde en bas, là où on ne les attendait pas, Madrid, Tel Aviv, New York, Genève, se dressent les tentes bleues et vertes des indignés. Oui, ce sont des flamèches qui s'alimentent aux grands incendies des peuples révoltés. Terrasse en caillebotis de 50 mètres par 70. Un plateau de salle à manger en chêne massif pouvant accueillir 18 convives afin qu'ils se mettent à table. Deux chaises blanches, une lampe de chevet, un canapé 3 places en cuir noir, un système d'alarme 9 points. Un porte-manteau perroquet à 5 têtes. Une lampe de chevet. 5 chaises pliables de jardin. Un buffet sculpté. 2 portes pleines, une desserte à roulette, un détecteur à fumée, un couteau à lame cranté de 31 cm. Spécial pour découper les langues de bois. Un secrétaire avec son fichier incorporé. Un service en porcelaine, 63 éléments, idéal pour avaler des couleuvres.
Quel fauteuil, un modèle crapaud en velours rouge. Un lit escamotable, deux places à dormir debout. Un miroir silhouette au profil doré, un bureau essentiel. Siège éjectable, 5 étagères en châtaignier. Une bibliothèque capacité 500 ouvrages, une série de placards ergonomiques pour les plus de 50 ans, une cuisinière siffleux avec four à gros, un lave-vaisselle, une machine à laver, un congélateur, un four micro-ondes, un robot, un aspirateur, des spots jetables longue durée à économie d'énergie, une commode laquée blanche, deux penderies, un guéridon tout rond, un écran plat, une chaîne, un ordinateur, un lustre constitué de 307 pièces originales en cristal de Bohème. Yeah.
C'était un spectacle de générique vapeur. Un grand merci à vous, public brestois. Merci à la ville de Brest et à tous ses services. Un grand merci aux Jeudis du Port et au Fourneau et à son équipe Centre National des Arts de la Rue de Bretagne, complice depuis plus de 20 ans. Le Fourneau, partenaire des EPA, zone européenne de projets artistiques. 4 partenaires anglais, 4 partenaires français, sans qui ce spectacle n'aurait jamais vu le jour. Spéciale dédicace à Julien et Adrien du Bagage de Bogastel et à tous les bénévoles embarqués pour le thé. Et surtout, surtout, continuez à consommer sans modération des spectacles de rue en toute liberté d'opinion. Ce qui m'amène à avoir, au nom de toute l'équipe, une pensée pour les petits riotes victimes de la cruauté imbécile, de la tyrannie, de la censure. À très vite. Merci, Brest.